petit déjeuner le matin dans les conseils pas chers. Une tasse. Oh ouais. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Une tasse. C'est les conseils pas chers. Une tasse, mais pas n'importe quelle tasse. Une tasse. Laquelle? En forme de WC. Et oui, ça c'est super pour ceux qui ont de l'humour et qui adorent rire dès le réveil. Une tasse en forme de WC. Et voilà, et là je dis pointe pointe. Elle est magnifique. Voilà, une magnifique tasse. Bon alors, t'as la petite tasse. Ouais. Et pour ce qui te sert pour soulever, c'est en gros le réservoir d'eau, tu sais, dans les chiottes où t'appuies. La cuvette, enfin le réservoir. Ouais, le réservoir d'eau. Où il y a le bouton là où t'appuies pour évacuer la crocrotte. Eh ben c'est super ça, dis donc. Eh ben voilà, et quand même ça coûte cher. Hein. Combien ça coûte, ouais? Ça coûte, là on a trouvé ça sur internet, 11,90€ sur Amazon. Donc ça se vend. Ouais. Si c'est sur Amazon. Là c'est même l'effet mug. Moi j'ai les tasses et les mugs ce matin, j'ai la collection complète. Waouh. Et je vais aller proposer ça aux familles. J'espère que ça va les faire rire et surtout qu'elles vont les acheter, les tasses. Exactement, il faut qu'on tombe sur des familles qui ont de l'humour ce matin et des familles de bonne humeur. Allez. En général à 6h08, c'est souvent le cas. Les familles sont très très bonne humeur quand on les réveille. C'est le meilleur moment. Ou quand on les appelle, sont non, mais en même temps, c'est l'heure du café. Hein. Bah ouais, regarde, il y a plein de lumières allumées en face là. Oui, quoi, il y en a deux. 3, 4, 5, 6. 6. Bon, 6. Oui. Ouais, 6 sur une tour de 20 étages. Oui, bon, voilà. Bon, vous, moi, vous êtes. En fait, il y en a 6, c'est les issues de secours. Les escaliers. Alors, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, c'est l'heure du café. De toute façon, direction les familles pour les tasses en forme de chiottes. Oui. Allez, on va chez Daniel. Si tu veux. C'est parti chez Daniel ce matin. Bonne chance, Romano, pour ta super tasse qui fait rire. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Daniel, comment va? C'est qui, Gérard? Ouais, c'est Gérard, comment tu vas? Ouais, c'est pas Gérard. Mais si, c'est Gérard. Tu me reconnais pas dans le téléphone? Non, je te reconnais pas. Ah, bah c'est bizarre parce que c'est bien Gérard, là, pareil. Hein. D'accord. Ouais, Gérard, il n'a pas de numéro secret. Bah si, bah là, j'ai changé de téléphone, alors je l'ai masqué. D'accord. Mais c'est pas la voix de Gérard. Mais si, c'est la voix de Gérard. Non. Allô, c'est Gérard. Tu l'as pas reconnu? Gérard. Ouais, c'est moi, Gérard. Eh, je me suis lancé dans une nouvelle petite affaire, là. Je vends des tasses en forme de chiottes. Et quoi? Des tasses. Tu sais, les tasses à café, là. Ouais. En forme de WC. Super, délire. Ouais, et alors? Bah écoute, vu que je sais que t'es un peu un pigeon, je me suis dit, tiens, je vais bien réussir à enfourguer une petite, un petit service à Daniel. J'en veux 10 000. Voilà. La blague de Daniel. Ah bah je savais que Daniel, c'est un sacré déconneur. Moi, c'est Gérard. Bon, Gérard. Allez, salut. Bah j'arrive, hein. Arrive, d'accord, à tout de suite. À tout de suite, je te vends 6 tasses pour la modique somme de 70 euros. Il a pas entendu le prix. Ah bah ouais, bah, il faut le rappeler là. Il faut attendre le prix, Daniel. Bah ouais. Ah, Daniel, et son copain Gérard. Il faut le rappeler parce que d'abord il avait beaucoup d'humour. Ah et ouais, ça, ouais. C'est très bien, il en vend 10 000. 10 000. Ouais. Ouais. Allez, on le rappelle. Et qu'il y a des gens de bonne humeur à 6h10 là. Allez, en forme. Et oui, on en. Bah oui, c'est Daniel. Daniel et ses tasses. Ah. Et on t'a pas dit le prix, Gérard? Il y a pas de gabonais à l'écoute. Il y a pas de gabonais, tacatam, tacatam. Allô, bonjour. Bonjour, j'ai croisé d'un ami. Bonjour. Yavol, comment allez-vous? Ça va bien. Oui. La famille va bien, JM? Oui, très bien. Très bien. Dommage. Bon, Daniel, 70 euros les tasses. Hein. 70 euros les 6. Même pour 10 000? Pour 10 000? Voilà. Hey, on va t'avoir pris. Hey, Daniel, je crois que je vais venir. On va trop rigoler ce matin. Ouais. Vas-y. Ouais, j'arrive. Ça te dérange pas si je vais avec un ami? Il s'appelle JM. Je connais pas. Jean-Marie. Ouais. Tu vois qui c'est? Yavol. Bonjour. Là, tu vois mieux là. D'un œil, mais tu vois mieux. Hey, j'ai le voile d'un œil. C'est quoi ces conneries là? Bah c'est Jean-Marie, il vient avec moi. Ouais, mais Jean-Marie qui? Jean-Marie Le Pen. Ah d'accord. Ah oui d'accord, bah je vais venir, ouais. Ouais, tu... forcément. J'arrive, tu lui payes le café dans les tasses en forme de WC. Ah moi j'ai déjà pris le café là. Ah bah on va en prendre un deuxième. Hey, j'adore le café noir. Ah bah étonnant tiens Jean-Marie. Tout de suite, je suis occupé, salut. À tout de suite. Ouais.
Eh ben voilà. Eh voilà. Eh voilà. Ça mérite un bip bip. Ça. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut que je fasse Jean-Marie Le Pen pour que le mec me dise bah viens. Eh ouais. Il passe partout Jean-Marie. C'est bien triste. Elle est super cette idée de tasse. Faut que tu la mettes de côté et que tu la gardes. Ouais ouais. Je leur ferai. Je m'attendais pas à tel succès. Et puis on est tombé sur un de ses comiques. Ah oui. Bah. Ah ouais. Il était drôle lui. Hein. J'en prends 10 000. Avec sa célèbre blague, j'en prends 10 000. J'en prends 10 000. Bravo Jean-Marie. Et son ami Gérard. Et bien sûr. Et il y a pas de gabonais au bout du fil. Eh oui. Et attention. Ah, vous avez pas compris la blague, Cédric. Il avait pas compris. Non, j'avais pas compris. Il y a pas d'abonnés de gabonais. Ouais, oui. T'avais pas compris. Ouais. Non, au début, j'avais pas compris. Ouais, ouais. Ah, c'est très fort aussi comme humour. Ben voilà. C'est très recherché. Je pense ouais. Fort, ouais. Bravo Daniel, bravo Romano, mais voilà quel démarrage en fanfare de ce morning. Ah ouais, c'est ouais. Parti là. C'est pas fini. Hein. Dans un instant, l'invité mystère à découvrir, l'iPad mini à gagner, c'est pour vous sur Skyrock. C'est après B.O.B. et Nothing on You. Les conseils pas chers reviennent dans une heure hein, sur Skyrock. Évidemment. Oui. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Attention, Skyrock va permettre aux familles de devenir des stars. Ouais, de vivre comme des stars. De vivre, c'est ça, c'est super ça. Ouais, de vivre comme des stars. Vis ta vie de star. Exactement, oh oui. C'est grâce aux conseils pas chers de Skyrock, c'est parti. Allez, musique. C'est les conseils pas chers de star. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Et oui, les stars assurent tout. Tout, tout, tout. David Beckham, il a assuré tout son corps. S'il se casse son corps, il touche 149 millions d'euros. Ah bah ça va. Ça va. Jennifer Lopez, je sais pas combien elle a payé au départ pour assurer son cul. Mais si elle se fait casser le cul, Jennifer Lopez, eh bien, elle touchera 200 millions d'euros. Ah ouais, quand et même. Voilà, bien cher. Ah ouais, quand même. Mariah Carey. Alors, Mariah Carey, c'est les jambes qu'elle a assurées. Et elle touchera, si elle se fait couper les jambes, 695 millions d'euros. Putain, c'est énorme. Non, mais c'est abusé. Ça te laisse, tu réfléchis quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être pour faire couper une. À ce prix-là, je veux bien que tu te jattes. Oh. Et bien ce matin, Romano, t'as une super idée, explique-nous tout. Non, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est une marque de sous-vêtements aux États-Unis qui s'appelle Hunes. Ouais. En fait, le fondateur de cette société s'est dit un truc. Oui. Un homme, il peut assurer sa voiture, son chien, sa maison, son terrain, sa vie, tout ça. Mais il y a un truc qu'il ne peut pas assurer, c'est son pénis. Et il a lancé la première assurance pour pénis. Un accident de pénis est à indemniser 50 000 dollars en cas d'accident. J'ai un ami personnel qui est précoce. Est-ce que ça marche pour les précoces? Non, mais c'est genre si tu te pètes, je sais pas, le frein ou si t'as un problème, je sais pas, tu te froisses une bourse. Tout ça, bah, tu touches 50 000 dollars. Eh bien, ce matin, j'ai lancé ma société d'assurance. Je me suis dit, tiens, je vais apporter le concept. J'ai monté ma société Sgeg Assurance. Sgeg Assurance. Sgeg Assurance. Je vais proposer aux familles d'assurer leur pénis. Eh bien, c'est parti. Ou même d'autres parties du corps, au cas où. Hein. On file chez les familles ce matin. Donc, assurance pénis. Allô? Ah. Oui, bonjour. C'est la femme à... Oui. Alain. Alain. Oui. Oui, il est là, Alain. Oui, pourquoi? Ben, c'est la société d'assurance, Sgeg Assurance. Oui, je crois que c'est encore une blague. Ah non, pas du tout. C'est pour son assurance, pour son pénis. C'est comme oui, les stars. J'entends rigoler. Non, mais c'est... Bien faire. Bah... Ça fait deux fois qu'on entend des bêtises pareilles. Mais vous êtes qui à l'appareil? Eh ben, c'est la société Sgeg Assurance. Oui, c'est ça. Merci, au revoir. Non, mais réponds, attends. Mais alors... Passe-moi ton mari. Non, c'est Alain. Pas la peine. Allez, passe-moi Alain, il faut que je... Ah, il criait derrière en plus. Ah putain, Alain, il était en train de bugler. Bon, vas-y, on va essayer de le rappeler. Alain, j'espère qu'il va prendre le téléphone. En même temps, c'est lui que ça concerne. Oui, ah bah, c'est le pénis, c'est lui, oui. Eh ouais. Il est chaud, Alain. Attention. Enfin, il est chaud. Entendez gueuler derrière, Alain. Alors, il ne faut plus répondre, la famille, ils sont à bout de nerfs. Ah. Allô? Oui, allô? Ah, oui, Alain. Bonjour, c'est Alain. Qui c'est qui est à l'appareil? Bah, c'est Monsieur Lapince de la société Sgeg Assurance. C'était pour l'assurance pour ton pénis. Ta gueule, espèce de sale con, va. Bah, tu veux que je vienne peut-être? Oui, viens, je t'attends. Parce qu'en fait, pour l'assurance, suivant le prix, faut que je mesure pour calculer un peu. Oui, ta connerie, espèce de connard. De toute façon, je vais t'avoir. Ah bah, de toute façon, tu vas m'avoir chez toi. Oui, j'arrive dans 5 minutes, moi. Allez, viens, je t'attends. Je viens avec mon double décimètre, je te mesure. Oui, moi, je t'attends avec mon fusil de chasse, je t'en fous un grand coup dans la gueule, espèce de petit con, va. Moi, je te mesure le kiki, et après, je calcule. Oui, t'es intelligent, va. C'est parce que t'as un foot, tu travailles pas dans la journée, toi. Eh ben si, j'ai la société d'assurance, moi. Ouais, bah, t'es un feignant, t'es comme les autres, allez, ta gueule. Allez, casse-toi, puis viens plus m'emmerder, parce que ça va mal se terminer, ça. Hein. Et ta femme, elle veut pas une assurance pour Nichon? Ouais, pauvre con, va. Par contre, il faudrait que je... T'as rien à branler de ta journée, espèce d'abruti, va. Va falloir que je la palpe aussi.
Espèce d'abruti, voilà. Bon, bah, de toute façon, je vais venir, tu me diras ça en face, je pense que tu feras moins le malin quand tu verras le gabarit, ma. Oh oui. Oh oui, pauvre con, bah. Mais vous êtes vraiment des feignants, hein. Ah bah, vous n'avez rien à foutre de la journée. Ah bah, attends, c'est toi qui nous nourris, j'espère que tu vas aller bosser après. Oh bah, bien sûr, je suis à la retraite, moi, j'ai travaillé toute ma vie, mon con. Ah bah, nous, ça va pas trop pour le moment. Oui, oh bah, toi, t'as jamais rien branlé de ta vie, tu fais chier le monde, c'est pas pareil. Ah si, des fois, je me branle un peu la nouille. Oui, pauvre con, va. Bon, bah écoute, je viens et puis on voit ça ensemble. Oui, t'as raison, oui. Dans 5 minutes. Oui, t'as raison, mon con, viens, viens. Tu prépares. Si t'as jamais pris un coup de poing dans la gueule, tu vas le prendre. Après le fusil, c'est le coup de poing maintenant. Oula. Bon, bah de toute façon, j'arrive avec mon double décimètre, je te mesure, je palpe ta femme et après je vous donne le prix. Oui, d'accord, allez, casse-toi ta gueule, allez. Hop, allez, au revoir. Allez, je suis là tout de suite, là. Au revoir, Alain. Ah merde, je voulais être posé chez les familles et assister à la suite. Alain était en pleine forme. Mais Alain était super. Comme prévu, il était en pleine forme. Sgeg Assurance, ouais, Sgeg Assurance. Mais en même temps, il m'a invité à venir à la maison. Oui, apparemment. À me faire démonter la gueule, mais il m'a invité quand même. Merci de la part de Skyrock et de Sgeg Assurance. Sgeg Assurance, salut Alain et sa femme. Salut les amis. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Gagnez des sous, c'est l'heure des conseils pas chers. Allez, c'est parti. C'est les conseils pas chers. 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 La pollution dans toute la France aujourd'hui. Alerte à la pollution, attention. Alerte générale. Bon, ce matin, la pollution s'est installée. Attention si vous êtes asthmatique, si vous avez des maladies respiratoires. Hein. Oui. Eh ben, ce matin, je vais vendre le classique, le masque anti-pollution. Ah, celui qu'ils ont les Japonais quand ils viennent nous voir. Ah ouais, ben, y en a beaucoup à Paris. Hey, hein. Les Japonais, je pense, qui trouvent qu'on pue. Ouais, ça doit être ça, peut-être. C'est vrai, hein. Entité, vous puez. Ah bah tu vois, ça tombe pas très bon. Ah, surtout votre ami qui a quatre mentons. C'est à cause de toi. Bonjour monsieur le japonais, monsieur Bizigu du Japon. Bonjour, vous êtes monsieur Bizigu. Oui. Pourquoi vous avez un masque? Entité, t'es pour votre ami. Tu parles, c'est pas bien de parler de Karim comme ça. Non, te parle de toi. Te parle de toi, le vilain, il sent le père. Tu pollues, Cédric. Approche, tu vois, si je sens le père. Non, mais attends, on va faire les conseils pas chers. Oui, attends, un peu de concentration là. Alors, bon, direction les familles, j'arrive avec le masque. Je veux dire que c'est la mairie, toute. Tu vends le masque. Mairie, la préfecture, tout ça. Allez, on va chez Jean-Claude. Chez Jean-Claude. Jean-Claude, Oui. Bonjour, c'est la femme à Jean-Claude. Oui. Oui, est-ce que Jean-Claude, il est dans le coin? C'est le service anti-pollution à l'appareil. Le service anti-pollution. Oui. Une petite minute, je vais chercher. Oui, merci. C'est pour les pics de pollution, vous savez, ces jours-ci, là. Pardon? Vous avez vu les informations et il y a des pics de pollution, là. Bah oui, sûrement, oui. Oui, donc on va vous amener des masques. Pardon? Des masques, vous savez, pour mettre sur le visage. Non, j'ai besoin de rien, monsieur. Non, mais c'est obligatoire. Non, écoutez. J'ai besoin de rien. Ah non, mais je viens et c'est tout. Non. Si? Non. Alors, passez-moi votre mari, je vais voir avec lui, moi. Non, n'importe quoi. Là. Allô? Caca. Oui, c'est Cédric, c'est Cédric. Prenez un masque, vite. T'as reconnu l'enfant. Quand je te disais, c'est tu vois, mec. Après les Japonais, même les gosses, ils s'en rendent compte. Ils caca, il y a téléphone, quoi. Il y a gros caca. Vas-y, on le rappelle. On reprend le même. Ouais. C'est Jean-Claude, donc. Jean-Claude. Jean-Claude, la maman et le fils qui fait caca. Caca. Ah. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. C'est Jean-Claude? Oui, d'y voir, j'ai eu ta femme avant, elle est pas commode, hein. Moi, il faut que j'arrive avec les masques, là, anti-pollution. Pour bien respirer. C'est qui, ça? C'est monsieur Lapin, ça, l'appareil, service anti-pollution. Ta femme m'a envoyé balader, quand même, hein. Donc, les deux masques, ça sera 20 euros. Normalement, c'est 10, mais vu qu'elle a été vilaine, ça sera 20. Bon, je sais pas qui vous êtes. Ben, c'est monsieur Lapin, ah, bon. Eh bien, j'arrive dans 5 minutes. Oui. Bon, ben, je vais appeler le commissariat. Allez. Très bien. D'accord. Vous voulez que je vous transfère directement? Oui, si vous voulez. Ah bien, attendez, ne quittez pas, je vais vous transférer. Oui, allô, commissariat de la ville. Allô, la police. Vous êtes combien, là? Ah bah là, on est tout le commissariat, oui, vous nous appelez pourquoi? Ah d'accord, allez. Voilà. Ah, on va prendre l'apéro. Nous sommes bien au commissariat. C'est dans la police, on boit. Attendez, c'est la preuve, hein, on est bien au commissariat. C'est cela. Très bien. Et le petit a fait caca derrière ou pas?
Il a chié par terre. Caca. Trop tard. On va vous aider le masque pour le petit. C'est quelqu'un qui déconne. C'est le service anti-pollution là. Je suis avec la police. On était en train de prendre l'apéro là pour commencer la journée quand même. Oui. Bah écoutez, faut bien se mettre au travail. Hein. Bah ouais. Hein. Bah dans 5 minutes je suis là moi. Bah d'accord. Si j'arrive encore à marcher droit. Et j'amène les deux masques, il y en a pour 20 euros, c'est pas cher. J'arrive pas à trouver, je sais pas. Bah de toute façon tu vas trouver, je vais arriver devant ta maison là. Bah d'accord. Il arrive en voiture de police, tu le reconnaîtras. J'arrive à tout de suite. Pimpon. A tout de suite. C'est les pompiers ça, Romano. Pimpon. Bon, en tout cas il m'a dit de venir. Pimpon. Oui, t'as dit de venir. Ouais, bah voilà. Et voilà, le petit a fait caca, c'est ouais, ça. C'est bon, ça y est, il a posé. Il a entendu ça dans le téléphone. Ça aide. Il a posé une 8h16 sur Skyrock. Dans un instant, l'invité mystère à découvrir.